Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne de la loose. Le stream de la loose. Donc, comme d'habitude, pas de pub, rien. Oubli total. De ma faute, bien sûr. Mais c'est pas grave, on va faire de la pub pour les replays déjà, ça sera pas mal. Ça peut être aussi une bonne idée. Donc, bienvenue. Bah, ce soir, nous sommes avec Jérémy, l'ami des énigmes, qui va nous faire une petite soirée énigme, en attendant que que les gens se connectent au cas où ils y pensent. Je tiens à préciser pour les gens du replay que j'ai reçu un prototype d'un petit jeu que tu connais très bien, qui est ton jeu d'ailleurs. On remercie tout de suite l'éditeur Subverti. Subverti, qui a été très sympathique. J'ai même droit à une petite carte bonus. Donc, ce qui va annoncer, salut PayPay, salut Cécile. Ah, Donc, PayPay que j'ai vu ce week-end au festival de t'as jeux. vu, Enfin, je pense que c'est lui. t'as vu PayPay? Mais ouais, Putain, la évidemment. J'étais au chance, festival quoi. de jeux de Colomiers, je sais pas si t'as vu. J'étais au festival de jeux de Colomiers pour présenter Dictopia avec Subverti. Alors, moi, On j'ai était vu un plusieurs, truc je sais avec pas si PayPay. tu l'as dit. J'ai vu des trucs avec PayPay. Et je crois aussi que t'as dû le voir, vu que j'ai vu des trucs et je sais pas si c'est Subverti ou qui a fait un truc. En tout cas, c'est surtout PayPay Oui, ou c'est PayPay qui a fait un truc, mais une j'ai action croisé, sur Dictopia. j'ai fait une association, oui. Et oui, je l'ai Tu vu. fais partie des Instagrammeurs, dans le cercle fermé des Instagrammeurs qui ont Dictopia maintenant, Rosaliane. Tu savais ou pas? Oui. Et donc, ce qui annonce une petite chose, c'est qu'on va pouvoir essayer de faire une petite soirée sur le jeu courant novembre pendant le financement participatif. Faut juste qu'on Ah, arrive j'ai à cru que trouver un t'allais dire truc pendant. sympa. Que tu allais dire pendant le confinement Le participatif. co C'est un confinement où on se retrouve et Le confinement participe. Pardon, excuse-moi. Donc, résultat, on va juste essayer de trouver un moyen de pouvoir jouer avec vous, parce que je pense que c'est plus intéressant de pouvoir jouer avec vous. Ah, mais c'est sûr, il y aura un moyen, ça c'est Bah, au clair. pire, si tu me dis qu'il y a un mode solo, tu sais, ça se Il y tente a un mode aussi, hein, solo. donc Bon, on peut jouer tous au mode solo, hein, d'ailleurs. on va faire des. On va trouver un moyen, on va faire des tests. Moi, Oui. je vais le tester déjà personnellement pour me faire une idée et voir ce qu'on peut en faire. Mais on va vous faire des petites soirées là-dessus. En attendant, vite fait aussi, quelques news. Il y a le Secret Santa qui va commencer, le Secret Santa de Miss Meeple. Design qui a commencé, qui va être bien sûr en partenariat avec le Discord des Meeple francophones et l'Instagram surtout, bah parce que l'Instagram s'est créé suite à celui de l'année dernière, donc on pouvait que le mettre en avant et on a hâte. Il y a déjà plus de 30 participants alors qu'elle a lancé le truc cet après-midi, donc cette année risque d'être. Il risque d'y avoir beaucoup beaucoup de monde, ce qui n'est pas dérangeant, mais ça va être encore plus difficile de découvrir son Père Noël secret. Donc, si ça vous tente de rejoindre l'aventure, il faut aller faire un petit MP sur Miss Meeple BG sur Instagram, qui va vous inscrire. Il faudra donner votre adresse mail. Voilà, validez bien les conditions d'inscription. Faut avoir un compte autour du jeu de société sur Instagram. Là, là, là. Je vous laisse valider ça avec elle. Et bien sûr, sur le compte des Meeple, on va retranscrire ça. On a fait aussi cette semaine un petit partenariat très léger, hein, avec. C'était la semaine dernière avec Libellude sur les phases qualificatives pour le championnat de France de Dice Forge, où on a organisé une des phases qualificatrices. Donc, quatre parmi vous, les Meeples, se sont qualifiés pour les phases suivantes. Et il est possible, peut-être qu'en novembre, on ait le droit d'organiser un deuxième tournoi qualificatif
pour les championnats de France aussi. Donc, on vous tiendra au courant. Je vous conseille d'aller sur le Discord pour ça, parce que les places sont très très limitées. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ce qui se passe sur le Discord. Voilà, j'ai fait mes petites annonces de début. Donc, je te laisse débuter. Eh bien, écoutez, là, ça y est, on a déjà un petit indice. Tout petit Un indice. petit indice, mais je vais leur laisser le temps d'analyser et tout. Alors moi, je crois que je l'ai repéré, mais je suis pas sûr. Alors je ne vais rien dire. Je crois que je l'ai vu. Est-ce C'est que possible. c'est possible? Oui, Très bonne c'est. expression. T'as vu Ok. le retour des indices cachés? Oh, le retour, ça nous a jamais quittés. Donc voilà. Donc commençons. Mais écoute, est-ce qu'on Commençons. va pouvoir commencer avec la première énigme qui est l'énigme de combinaison? Oui, alors pour ça, il faut que je me mette sur Tu sais que tu ne le m'as bon truc. toujours pas partagé ton écran, je ne vois pas en live ce que tu es en train de faire. Ah, donc Mais. première Rosalouse en vrai de la soirée. Première, je ne sais pas si on peut dire première. En direct, la première en direct. La première en direct. C'est, soyons clairs, il y en a eu d'autres avant. Alors, par contre, Aïe, j'avais tout il va se planqué. passer des choses ce soir. On n'est pas très Alors, nombreux, mais ceux qui restent, oui, on va bah, s'amuser. c'est quand il y a le moins de monde qui se passe le plus de choses. Hein. C'est bien connu. Hop là! Je te Oh, remets toi parce que sinon, tu ça allais y être. est, je vois Ah! tout. Ouais, sauf que j'avais bien paramétré pour que tu ne frises pas, bien sûr, ce qui n'arrive plus, Ah, quoi. je frise. Bon, ça, c'est pas grave. Ah, si, 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 c'est grave. Voilà. Maintenant, là, si je te Alors, mets comme j'ai ça les et que je cheveux fais beaux, ça. ça se verra plein. Ah oui, il est amateur d'énigmes et d'humour. Enfin, je crois. Ben Voilà. Donc, nous pouvons vraiment commencer cette La boucle est soirée. bouclée. Allez, oh là là. Ouh là là. Et on commence comme d'habitude par une combinaison. La combinaison, bien sûr, il faut trouver un chiffre à la fin. Donc, c'est une Ah. combinaison assez classique. Ouais, on le retrouve un peu partout. Il n'y a pas de piège. Alors souvent dans ces genres d'énigmes, il y a souvent des petits pièges. Par exemple, sur la télé, il y a plus ou moins de boutons, ça te donne un peu un indice, etc. Là, pas du tout. Il n'y a pas de piège. C'est vraiment une équation classique. Allez, on peut la faire de tête, je pense. Est-ce que tu arrives à la faire de tête? Moi, l'affaire de tête? Ouais. Ça va. Ça va, ça va. Oui, à peu près. Je suis pas sûr de moi, donc je veux pas dire de bêtises, mais. Ah, je dis pas le résultat final, mais est-ce que Ah tu arrives non, déjà? non. Oui, normalement, je pense que j'ai trouvé, mais. Justement, T'as trouvé je même le résultat final? vérifie. Bah, je pense. Il faut que je vérifie, mais je pense que je l'ai. Après, il n'a pas l'air très très dur. Après, tu vois, c'est comme. Je Non, vérifie ce qu'il n'y ait soir pas un c'est truc facile. caché ou à l'envers ou je ne sais pas, tu Non, ce soir c'est très facile ce soir. vois. Donc, on a au moins Cécile, normalement, qui est là pour nous donner des réponses. Ou PayPay, si il a envie de participer, bien sûr. Oui, donc rappelons les règles s'il y a des nouveaux. Alors, Cécile, elle a trouvé. oui, j'avais bien Ah, ça trouvé prend un alors. peu de temps hein, pour faire l'équation. Oui, puis il y a un délai sûrement. Donc l'idée c'est que. C'est Cécile ou Evelyne? Et Evelyne, ah, il y a la Oui, maman c'est de la maman de Cécile. Cécile. Bien joué, Paye aussi, PayPay aussi, bravo. qui vient de trouver. Donc comme d'habitude, on va pas dire les réponses, on va valider les réponses du chat, mais si vous ne le regardez pas, vous n'aurez pas de spoil, sauf petite erreur qui peut arriver de temps en temps, hein. Donc, voilà, vous allez avoir une série d'énigmes qui vont vous permettre à la fin d'avoir, tout au long de la soirée, d'avoir des indices pour, à la fin, découvrir une personnalité. Donc, quand vous allez avoir des indices, je vous conseille de les noter pour ne pas les oublier. Oh, les réponses. Bon, voilà, là, je mets tout dans la sauce. T'as bien détaillé pour une fois. Ah, ben ouais. Donc la réponse Non, qui je était détaille bien. toujours autant, mais c'est juste que d'habitude, il n'y a pas autant de chiffres. Mais.
La réponse est bien 84. Vous voyez aussi un nombre de points sur le côté. C'est là, c'est juste pour vous, pour savoir à peu près combien de pourcentage de bonnes réponses vous avez eu à Voilà, la fin de la voilà. partie. C'est sur 50, c'est sur 100, c'est sur Sur 100 points, sur 100 points, c'est sur 100 il y a points. 10 énigmes. Hein. Donc il y a 10 énigmes, Sur tous 100 qui vont points, valoir tout 10 à points fait. ce soir. Des fois, il y en a plus, donc on change un peu. Mais voilà. Donc 84 va être le premier indice. Alors. Tout à fait. Là, ces deux chiffres, c'est 4, c'est 84, c'est voilà, mais des fois, on dit pas si c'est plus long, si ça se trouve c'est 8-4, on ne sait pas. On dit rien du tout. Voilà. Voilà, on ne donne pas, c'est voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, mais notez bien 84 parce que je suppose que tu ne vas pas rappeler à la fin les... Non, on ne le rappellera pas. Par contre, on fera le check après de pourquoi 84, etc. Mais D'accord, on fera le dans une reveal. seconde partie, on va essayer de. Parce que là, les indices sont un peu plus subtils et on essaiera de voir pourquoi j'ai fait tel et tel indice. Voilà. D'accord. Deuxième C'est le énigme, tour latin. un anagramme, un Séjour petit latin. séjour latin. Donc là, il faut trouver un mot Ouais, un avec seul toutes les mot. lettres. Ouais, avec toutes les lettres. J'ai presque envie de dire, presque dans le bon ordre, il n'y a pas grand chose à bouger. Là, c'est un gros indice. Hein. Que toi, tu l'as. Ah, moi, absolument pas. Tu sais, le stress du live, tout ça, réfléchir pendant que je regarde ce qui se passe, tout ça, je ne suis pas là. Hein. Non, tu en perds ton latin. Ah, j'en perds mon séjour, carrément. Mais c'est pas si compliqué que ça. C'est un métier. Ah, c'est un métier. Ouais. Un métier très connu. Où on utilise le latin, souvent. Okay. Eh ben voilà, Cécile, elle a trouvé. Oui, en fait, c'était évident. Ben Bravo, oui. Cécile. Alors, laissez un peu de temps au suivant, bien sûr, mais bon, maintenant que j'ai la bonne réponse, c'est vrai que tes indices sont plutôt de bons indices, quoi. Pour une fois, vous pouvez vous fier à ces indices. Bah, attention, hein. Parce que des fois, Attention. c'est pas trop ça, hein. Ouais, attention. Ah, mais ça me va très bien, mes petits indices. Donc, petite question, tu as mis combien de temps à nous faire ce petit jeu-là pour ce soir à peu près? 4 heures. 4 heures? Ah ouais, c'est... Ah oui, quand J'ai eu même. le temps de trouver qui je vais vous faire deviner, le temps de trouver quel mot, le temps après graphiquement de faire les énigmes. Donc, PayPay, ça vous vaincu. Alors, tant pis. Alors, Eh tant bien, pis. S'il y en a qui c'était veulent difficile. participer dans le chat, je vous invite à le signaler. Comme ça, je fais en fonction de ceux qui participent dans le chat pour temporiser. Et les autres qui sont chez vous, bah, vous n'avez qu'à participer dans le chat. Donc, journaliste est un indice. T'as fait deuxième. Deuxième Un indice. petit indice. Notez-le bien. Un vocabulo. Ah donc ça, petit exercice pour ceux qui Il n'y en ne... aura qu'un ce soir. Il n'y en aura qu'un? Je suis sympa. Ouais, je suis sympa, il n'y en a qu'un. Alors, s'il En y en a qu'un plus, qui est sympa, ça dit qu'il est dur. Non. En plus, il est facile, j'ai fait un mot que tout le monde connaît. Je D'accord. suis pratiquement sûr. Il y a du vocabulaire, mais je pense que les gens connaissent. D'accord. Donc le principe d'un vocabulo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on propose une définition d'un mot de 6 lettres. Par exemple ici, avertissement sonore. Voilà, klaxon. Et ben, il faut enlever klaxon de la ligne du dessus et ça te donne un autre mot qui est le mot à trouver. Donc là, si on prend l'exemple, tu as trouvé klaxon, c'était facile. Il reste MER, c'est dans l'ordre à chaque fois. Il n'y a pas de désordre. Les lettres ne sont jamais en désordre. Et ça te permet de trouver le mot mère. Donc le mot à trouver dans ce Non, mais cas-là, si tu c'est mets dans le désordre, mère. là par contre, ça risque d'être Ouais, vraiment non, chaud. là, c'est. Donc. Voilà le principe. Donc ça, c'était l'exemple. Donc voilà, c'est un mot de 9 lettres qui est l'indice, qui est parle peu. Donc, ton objectif, tu le sais comme d'habitude, c'est d'essayer de prononcer ce mot. Ah, Ignacite Duren. Voilà, ça donne un peu, un petit peu d'indice, tu vois. Ah, sûrement, Ceux hein. qui suivent. Oui?
Ça manque d'un M ou deux quand même. Alors, est-ce que tu l'as? Je crois que je l'ai. Ah, ouh, tu vois, il était pas si dur ce soir. Donc t'as les deux. Ah, en fait, j'en ai un, faut que Donc je j'arrive à vais le appuyer de... sur le deuxième mot à trouver. Le deuxième mot, justement, j'arrive pas à... Bah voilà, je pense Ah, que c'est pas c'est... tout à fait ça, Cécile, mais c'est vous là, vous avez le premier mot, mais vous n'avez pas le deuxième mot. Oui, voilà, en fait, j'ai trouvé le premier mot, mais j'arrive pas à trouver le... J'arrive pas à lire l'autre. Ah, c'est presque. D'accord. C'est pas le bon. C'est pas Ah... exactement ça, ouais. Ah, peut-être que c'est peut-être une faute de frappe, mais non. Qu'est-ce que ça? Oui. Donc, est-ce que tu as le mot maintenant? Voilà, PayPay, il a trouvé. Tu vois, à plusieurs, on arrive à le trouver. Ah oui, donc le premier était bon. Le premier est bon, ouais, bien sûr. Ah oui, Le d'accord, premier ok. est très bon. Oui, non, Donc, bah c'est j'étais à effectivement, peu près là-dessus. Ouais. Bah j'allais d'accord. là-dessus. Il y a plusieurs définitions, hein, mais je trouvais que par le peu, c'est pas mal. Tu vois, c'était trouvable parce qu'ils les ont trouvés. Donc, effectivement, c'était C'était taciturne. taciturne. Et donc, les lettres qui restaient, c'était INDE pour Inde. L'Inde. Donc Inde Ouais. est le troisième C'est difficile indice. l'indice. Hein. Ce soir, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Hein. Tu veux Enfin, dire que il y a des indices qui sont intéressants, mais la personnalité n'est pas évidente. le final est pas... On verra. Oh, regarde! On verra. Dictopia, c'est le jeu que j'ai reçu. Dictopia. Excellent. Donc les petites cartes de Dictopia, donc il faut prendre soit la lettre du haut, soit la lettre du dessous pour former un mot. Il n'y a pas besoin de mélanger les lettres, elles sont toutes dans le bon ordre. Donc maintenant je Ouais, vous je suis laisse... d'accord parce que dans la vraie vie, on peut les bouger. Là, Mais c'est je pense difficile de que bouger de ça sur temps en temps, l'écran. avant tu faisais des fois des petits mix et tout, faudrait... Ouais, mais après... Après, J'avais ça peut déjà devenir fait très sur con... l'autre En fait, à plateforme. faire, ça peut Ouais. devenir très compliqué, je pense, si tu mélanges aussi. Parce que t'as Bah, plus de tu veux. possibilités. Bah, s'il n'y a pas plus, c'est juste ça multiplie par 1000. Il y a Mmh. énormément de possibilités. Du coup, tu peux trouver tous les mots. Donc, il faudrait que je mette des contraintes entre guillemets, mais tu peux pas manipuler les lettres, c'est très dur. Pour ça, je l'ai fait comme ça. Par contre, là, je fais pas comme dans le vrai jeu, c'est-à-dire voyelle consonne voyelle consonne. Là, je mélange des fois des deux consonnes, des fois il y a des deux voyelles Oui, pour que pour ça soit un limiter peu plus les... compliqué. Exactement. Donc, c'est un peu le truc. Oui, j'avais... Merci Evelyne d'ailleurs, l'entraîneuse. J'avais... J'étais en accord avec elle. Il l'avait, t'as trouvé? Du coup, tu Oui, pensais trouver ça? je l'avais trouvé quasiment en même temps. Bah, je pense qu'elle l'a trouvé avant, vu qu'elle a eu le temps de taper, mais je l'avais trouvé et puis elle a dû mettre son message juste après. Donc. Ah mais je ne peux pas battre Evelyne, c'est un niveau supérieur. Ah oui, un level incroyable, ok. Oui, donc là-dessus, on peut le dire, je pense, maintenant. Donc Je vais désolé Pépé appuyer si tu sur n'as pas le encore trouvé, mais c'était le mot engagement. engagement. En PayPay, il a joué à Dictopia, tandis que Cécile, je suis pas sûr. Non, parce qu'elle savait pas que tu étais à Vichy, je crois. En fait, elle a vu Ah, que c'est t'étais possible. là, mais c'était au moment de partir, donc elle a pas eu le temps. Quoi? Et de Vichy, Cécile? Parce que sinon, je suis à. Peut-être, c'est pas encore sûr, je suis d'Albi. Je vais à Albi ce week-end. Si tu sais pas quoi faire, Cécile, ce week-end. Ouais, mais bon, Albi, ça fait peut-être. C'est dans le sud, hein. Ah non, non, c'est loupé. Eh ben, tant pis. Donc on Oh, un passe arbre. à un arbre. Mais qu'est-ce que les arbres? Un Je arbre, suis c'est une désolé, association j'ai pas de encore le mots. livre. Donc, par exemple, si je donne pomme et propre, ça peut être amour, parce que pomme d'amour, l'amour propre. Et là, j'ai trois nouveaux mots. Alors, ce qui est marrant, j'ai essayé de trouver des mots qui vont bien ensemble. Mordre chat barrière. J'ai trouvé des mots qui vont bien ensemble. C'est ça que j'ai trouvé ça marrant. Tu es à côté de Vichy, Cécile, d'accord.
Donc, Ah, sûrement à samedi. ouais, il va sûrement à Albi à PayPay. Eh bien, écoute, si j'y vais, c'est samedi, ouais. Ah, c'est cool. Donc là, Je pense pas à 100%, mais je pense y aller. il faut trouver le mot qui a un rapport avec les trois mots qu'on Allez, il voit n'est pas là. facile. Allez, mordre, chat et barrière. Il n'est pas facile. Parce que les barrières, franchement, pas évident. Le chat On va barrière pas y déjà. penser. Et j'ai mis un petit peu de difficulté avec arbre, quand même, avec cet arbre. Oui, Alors, on peut bah... dire que mordre. Est-ce que je donne des indices? pas trop non plus, Parce que non, là, mais... on envoie des messages en privé. Ah, on envoie un message. Oh! Bravo! Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé. Quelqu'un qui est là, qui a trouvé l'arbre? Non, qui a trouvé la personnalité. Ah oui, si vous voulez envoyer Incroyable. en MP la personnalité, voilà. Qui est cette personne qui a trouvé? C'est tout simplement des Ah, vantards. je la déteste. Ouais, Je le savais, mais je la déteste. est-ce que elle est capable de trouver mordre, chat et barrière? Pas évident, hein? Alors, est-ce que vous la donnez? Est-ce que tu la donnes? Ah bah c'est bon, oui, maintenant c'est bon, c'était trop facile. Mais on en a déjà fait un avec ça, donc c'est pour C'est ça. possible, ouais. C'est possible, c'est Mmh. possible, Ou ouais. c'est un exemple J'avais que tu avais une. déjà pris, ou je sais plus, Ouais. mais Pas exactement pareil, mais oui, j'avais peut-être un. Ça c'est peut être venu dû à des gens instantanément, pas quoi. très. J'en perds C'est mieux. les mots de la bouche, quoi. Et pas que. Ah, t'en as perdu ton latin. Ah oui. Alors, est-ce que les gens dans le chat l'ont? Ils l'ont pas, hein? Je ne Va sais devoir pas. donner la solution, hein? Attends, on va Ils laisser vont un s'en peu de temps. mordre les doigts. Oui. Mais c'est pas les doigts. Mmh. Est-ce qu'ils donnent leur langue au chat, par contre? Ouais, bon, bah... Ah Je au bout d'un moment, quand tu donnes la réponse, je peux plus, moi. mince, ah oui, ah Oh mince, c'était ça. J'avais oublié que c'était ça. mince, c'était la réponse. Donc... Ah, c'est parce que c'est la barrière de la langue, quoi. La barrière de la Exactement. langue, se donner la langue au La chat barrière. ou se mordre la langue. Donc voici, c'est voilà, voilà le petit arbre. Et la langue est le cinquième indice, hein, ou langue Oh, tout je suis allé court, on ne direct sait pas. Un autre arbre, direct donc avec un autre même arbre. principe, et avec Barrière. couverture or et blanc. Couverture d'or blanc. C'est joli quand même. Ouais. Ah, j'ai envie de revenir en arrière d'un coup. Quoi? J'ai envie de revenir en arrière. Pour quelle raison? Je sais pas, vérifier un truc, je ne sais pas. C'est à force de mettre des petits indices partout, moi j'ai des envies comme ça et tout, faire ah mince, qu'est-ce qui s'est Par passé rapport à la avant? personnalité de ce soir, tu veux dire? Ouais, je sais Ah. pas. Bon, bah Alors, voilà. restons concentrés. Je compte sur vous le chat. Faut lui montrer que c'est pas trop dur. Faut lui montrer que c'est facile. Oui, c'est très facile. Alors, je vais indiquer quand même, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ces arbres, j'en ai fait un livre. Oui. Et du coup, il s'appelle Énigmes, arbres et petits mots logiques. Tout un tas d'énigmes de ce type dans le livre. Voilà. C'était mon indice de ce soir. Vous avez? Alors, réfléchissons. Couverture or et blanc. Est-ce que quelqu'un a une proposition même pas folle dans le chat? Donc là, j'ai quand même donné un énorme indice, hein, quand même. Hein. Quand ça? Je peux pas faire mieux. À quel moment? Ah ben là, juste avant. C'est Justement. tout. Quand t'as En expliqué? fait, j'ai donné la Ah solution, oui. comme d'habitude. Tu sais. Oui, c'est bon. C'est bon, bah je l'ai. Mais je pense que je suis pas sûr de connaître le troisième. Mais par déduction, je pense que c'est ça.
D'accord. Ok, oui, le troisième, c'est pas très connu. C'est... Enfin, Voilà. on le dit plus en anglais. On appelle ça, je peux le donner, hein, parce que c'est pas exactement le même mot. On appelle ça un wallpaper. White paper, pardon. Un white paper. Voilà. Ouais, bravo. Ça, c'est Ah, son ben voilà, anglais irréprochable. Cécile l'a trouvé. Bien voilà, Cécile vient de trouver. Ou je sais plus si c'est Cécile ou Evelyne. On va dire Miss Mais Purple. on va dire Miss le Purple. duo infernal à trouver. Donc, c'était Ouais. bien livre par la couverture du livre, hein, Exactement. le livre d'or et le livre blanc ou le Oui, où là, je tout à ne fait. connaissais pas spécialement. C'est pure déduction. Le livre blanc, alors c'est si vous regardez sur Internet, c'est plutôt politique, mais le livre blanc, c'est plutôt quelque chose qui va un dossier de présentation, on va dire. Je vais un peu vulgariser le truc, quoi. Vulgarisant. Le livre blanc, par exemple, d'une entreprise, être ce que propose cette entreprise, tu vois. D'accord. Livre est le sixième indice. Tout à fait. Un cultissimo qui arrive là comme ça. Il n'y a plus de règles. Les cultissimo, c'est plus à la Non, mais fin. si, maintenant je les mets en milieu maintenant. Je peux les Ouais. remettre à la fin. Cultissimo, c'est la connaissance générale. Tout à Qui était fait. le premier ministre britannique? Alors, en quelle année? Parce Ah, que. alors, j'ai pas. Oui, pardon, j'ai oublié de mettre les dates. De 1997 à 2007. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre les dates. De 1997 à 2007. Putain, je suis mauvais, ça. Je T'es suis sûr que très des bon. vantards, c'est très bien. Mais oui, Ah mais. oui, Ah, tu connais. je pense à un, mais je suis pas sûr de. J'en ai un en tête, mais j'arrive plus à retrouver le nom. Donc, Est-ce que tu arrives à le supporter? Bah voilà, c'était à lui que je pensais. C'est ça? Ouais. PayPay l'a Bravo, Miss bien eu, Purple. mais. Ouais, Ouais, bravo PayPay et bravo à d'abord, hein, mais PayPay aussi. c'était bien lui à qui Ouais. je pensais. Merci. Bon, Donc c'était bravo. bien Tony Blair. Donc ça, c'est un Tony indice. Blair. Tony Blair, c'est un indice. Ouais. Vous. En fait, c'est le plus gros indice de la soirée, mais c'est pas facile à savoir. Pourquoi? Ouais, non, c'est. Parce que même, je pense que Devantar, qui connaît la, Elle a peut-être pas la qui raison. connaît, qui connaît, qui connaît La la personnalité. personnalité de ce soir, ne saura peut-être pas pourquoi c'est un indice. Oh, encore un arbre. Ce soir, c'est le Festival des Arts. Oui, encore un arbre avec arrière, courant et unique. T'en avais déjà fait un avec unique et courant, mais pas avec arrière. Tu sais le mot? Tu connais ta. Moi, je me Ouais, il est souviens que parfait tu en ton avais mot. fait un avec courant et unique, mais il n'y avait pas Non. arrière, et là, ça Ah, passe c'est. pas du tout avec arrière. Ah. Ah ouais? Bah ouais. D'accord. Ou sinon c'est moi qui est nul et ça passe très bien avec arrière et je l'ai déjà. C'est possible. Ah, c'était sens. Ouais. Ah, T'avais c'est déjà pas fait sens. sens, mais c'est là c'est pas sens, ça passe pas avec Ouais. arrière. Ouais, c'est Et vrai, c'est pas sens. résultat, tu me connais, hein. Là, j'ai ça, c'est mort. Je ne Et trouverai rien. oui, t'as sens en tête et t'arrives pas à te Non, c'est sortir pas ça, sens de la tête. PayPay. Eh oui, C'est non, horrible, mais c'est pas ça. ça, Non, non, non. ouais. Ouais, non, mais là. Retour en arrière, retour de courant, retour unique, non, ça marche pas. Non. J'essaie de te mettre d'autres mots en tête. Le vent, non, non, ça marche pas non plus. Non. Il y a un courant unique, hein. Pour le coup, celui-ci, il y a trois associations parfaites, magnifiques. Hein, je veux dire. J'ai peur, Oh, tu me j'ai failli fais te lâcher peur. un énorme indice, j'ai failli te lâcher le mot. Ah, Seb. Tu penses que Il y Seb a a raison? un nouvel arrivant. Et bienvenue, Oui, Seb a sur le raison. chat. Non, il Eh arrive comme bien, ça, il Seb, a raison. oui, Seb Bah, a raison. bienvenue, reste. Tranquille. Mets-toi à l'aise. Reste. Donc, bravo à Seb Delahon pour sa première participation et surtout,
Une bonne réponse. Mais à quoi tu Ouais, pensais du coup, vraiment. puisque tu n'as pas trouvé ce mot, à quoi tu pensais du coup? Moi, c'est à sens. Ben, c'est à sens, mais le premier, justement, c'est sens arrière, ça marchait pas. Mais c'est moi, dès que je Pourquoi suis tu bloqué pensais sur à ça? courant unique qui font un truc, j'ai vraiment du mal à sortir de l'idée et ça me bloque totalement. Oh, mais c'était un message subliminal en fait. Ouais, j'ai la pensée vraiment focus, quoi, tu vois. Et c'est horrible. Non, il n'y a pas assez de. Comme il y a quelqu'un qui a trouvé, c'est Bon, moins j'ai mal à la drôle. repenser, du coup. C'est moins drôle quand on fait ça parce que je préfère quand il n'y a personne qui trouve et qu'on se lance des mots comme ça. C'est plus drôle. Tout à fait. Donc voilà. Donc la réponse était bien pensée. 10 petits points si vous avez trouvé. Et c'est le huitième indice. Donc Seb, pour te. Ouais, c'est un courant de pensée. Oui, que je vais remettre. La pensée unique. Excuse-moi, hein, parce que Pas de souci. La pensée unique. Donc en gros, il y a des indices tout au long de la soirée qui nous servent à identifier, à deviner une personnalité à la fin. Les mots qu'on trouve, en fait, sont des indices. Donc là, le huitième indice, c'est penser. Je pense que des gens dans le chat, si tu arrives au dixième indice, feront le plaisir de te rappeler les Ouais, sept autres on avant. essaiera de le faire. Oh, c'est Bon, nouveau petit ça! truc nouveau. Un C'est dig nouveau back. ça? Ding Ding bat. bat. Et c'est des toupies. Ouais. Et voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est le ding bat? Du tout. Alors c'est un jeu de société qui D'accord. a été créé il y a très 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 longtemps. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'éditions. Et c'est un jeu où il faut deviner des expressions à partir d'images un peu de ce type. Donc, il faut trouver un mot. Voilà. C'est pas du rébus. C'est entre les deux, entre le rébus et l'énigme, quoi. Ça ressemble un peu à du rébus. Si t'es pas habitué au ding bat, tu vas un peu galérer. Ah bah, je Alors, pense déjà, cette que. énigme, je l'ai postée sur le groupe. Alors, peut-être que si je le dis, les gens, ils vont aller voir dans le groupe la réponse. Oh, tu vas le dire après. Tu l'as posté dans un groupe. Je le dis après. J'ai posté dans un groupe et ça a trouvé. Donc, vous voyez, c'est largement trouvable. Bravo, merci à Déventer pour mettre tous ces jolis indices. Il y avait 84 journalistes, Inde, engagement, livre, Tony Blair, pensée. Ah oui, tu as oublié. Alors, lequel elle a oublié? Pas sûr qu'elle en a oublié un. Ici. Ah si, c'est non, lui, c'est l'autre. C'est entre engagement et livre, il y en avait peut-être un. On est habitué, mais rouillé là, mort de rire. Ouais, parce qu'elles connaissent les. Ouais, elles connaissent les dingbats, ça veut dire. Mais c'est moi, je trouve ça très dur, hein, parce que c'est en fait, moi, c'est juste une image. Hein. Je Ouais, pense que, effectivement, à part te dire mais que c'est c'est dur. D2P, voilà, D2P. C'est pas loin, c'est presque Oui, ça. c'était l'angle celui L'angle, qui manquait. exactement. L'angle, ouais, exactement. T'as une image, il faut deviner ce que c'est, quelque chose. Voilà, en gros. En résumant bien. Tu l'as presque dit, mais il faut vraiment que tu décomposes. Alors, c'est pas tout à fait exactement pareil, hein. C'est C'est comme tout les pile. rébus, c'est pas exactement pareil. Est-ce qu'on peut dire tout pile? Pardon? Tout pile. Tout pile? Mmh. Non. Dictopia. Tu l'as presque dit. Ah, Les mais t'es gens, ils pas loin. disent Tu sais que dictopia. t'es très proche. Et vous y êtes presque, hein. T'es pas loin. Dystopie. Ouais, c'est ça en fait, hein. Tu sais, c'est ça. Il l'a dit, hein. Non, mais c'est sérieux, c'est ça la réponse? Oui. Attends, moi je vais regarder. On vote tous dystopie. Ah, dystopie, c'est ça? Eh oui, eh oui, c'est ça. Ah, excusez-moi, je prononce bien le mot toupie. Ben oui, c'est un ding-bat, c'est une énigme, Dystopie! donc Bah, c'est bravo! comme des rébus.
Ouais, bah bravo, bravo PayPay. Bravo. Oui, bah c'est sympathique, mais dur. Bah dur. Ouais. Faut avoir les défauts de prononciation, tout ça. Alors Ouais, d'habitude, j'en ai j'ai plein, entendu. mais pour une fois, j'en ai pas, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Bon, on va Donc, l'aider, il est marrant. Alors, neuvième par contre, indice. attention, le 10e indice, il est fort, mais tu peux le montrer. Là, ça permet de vérifier si vous avez une idée, quoi. Qui Ça, c'est est-ce? la personnalité de ce soir. Yes, du coup. Si vous l'aviez pas avant. Ah, c'est vraiment les. C'est même plus un indice, là, c'est la personnalité qu'on doit trouver. Ah, ouais, c'est ça. On a encore la confirmation pour le perso de ce soir. Ça veut dire qu'en gros, c'est ça confirme si c'est ça ou pas. Ça veut dire que tu l'as, c'est Miss Purple. Ça veut dire que tu l'as. Si tu l'as, bravo à toi. Alors, moi, je vais être à l'Ouest, hein, donc je tiens. Merci pour le follow, Seb. Merci à toi. J'espère que tu Ouais, vas donc coiffer on tout l'a. le monde et découvrir la personnalité devant tout le monde. On l'a Ah, depuis depuis un un moment. moment, Ah ouais, tu vois, d'accord. bravo. Ça veut dire que toi, tu l'as pas, c'est ça? Moi? Ouais. Moi? Ah bah attends, attends, je dois aller aux toilettes vite fait. C'est Chérie! excellent. Déventard, c'est quoi? Déventard, même pas, elle me Excellent. fait un MP, rien. Tu mérites pas le jeu Dictopia. Je mérite pas le jeu Dictopia. Non, tu mérites pas le jeu Ah Dictopia. non, ça c'est sûr. Et tu sais que je sais, j'aime Et pas les jeux alors, de lettres en attends. plus. Alors. Et là, c'est pas. Déjà, tu verras que ce n'est pas utile d'aimer les jeux de lettres pour aimer Dictopia, parce que Ouais, c'est. non, mais là, c'est de la culture G, je suis C'est pas. l'univers de Dictopia. Est-ce que tu connais l'univers de Dictopia? L'univers de Dictopia, c'est Oui. un univers où c'est la censure. La Ouais, thématique, c'est c'est un la univers censure. dystopique. Dystopique. Inspiré d'un Ah. livre très connu qui avait été écrit en 1949 par un certain. Oui, et ben c'est écrit sur la boîte, je crois, ou l'arrière de la boîte, mais j'ai pas l'arrière de la boîte. Non, mais c'est pas écrit sur la boîte. Ah, je croyais que c'était C'est. écrit sur l'arrière de la boîte. C'est écrit dans les Non, pas du règles. tout. Et ben, j'ai pas les règles, donc j'ai pas pu le lire. Et ouais, il s'appelle Georges comment? Georges George. Or. Orwell. Orwell? Well, ouais, j'ai un truc Welsh George comme ça. Orwell. George Wells. Ouais. Donc, la réponse, George Orwell, ouais. c'était Exactement. George George Orwell. Orwell. D'accord. C'est lui qui a écrit le livre 1984, qui est une dystopie dans laquelle il y a la liberté d'expression n'existe plus, il y a de la censure. Et son livre est un chef-d'œuvre parce que c'est un peu le pionnier un peu de la dystopie. Il faut savoir que George Orwell, c'était un écrivain, je vais dire un écrivain raté, pas tout à fait, mais un écrivain qui avait beaucoup de mal à écrire, qui était pas content de ce qu'il faisait, il était jamais, voilà, voilà, c'est un peu comme Van Gogh, tu vois, à l'époque, au tout début. C'est un peu pareil, quoi. Et jusqu'au jour où voilà, il a quand même écrit. Alors c'est marrant, je ne sais pas s'il a pu voir le vrai succès de son œuvre, 1984. J'en étais sûr. C'était un marxiste. Non, si elle Oui, le dit, c'est que c'est. c'est vrai. Oui, il était pour il faisait partie du Parti Mais tu vois, travailleur, etc. je m'en suis douté parce que si elle a trouvé vite, c'est que c'était un truc dans ces eaux-là, tu vois. Ouais, le truc Je. littéraire. Oui, c'est un truc littéraire, hein, clairement. Hein. D'ailleurs, on peut mettre sur la liste si vous voulez, hein, Oui, d'ailleurs, 1984, c'est pas si facile. Miss, ben, je pense que c'est Evelyne qui dit pourquoi Tony Blair. Ah, eh bien, non, elle donne la réponse en fait. Ouais, George c'est voilà. Orwell, il s'appelle en réalité Eric Arthur Blair. C'est pas George Orwell. Il s'appelait Eric Arthur Blair. Donc comme d'habitude, On on revient va sur les indices. repasser sur les indices. Donc la première, c'est quand on fait des conneries au début et qu'on parle de notre vie, en fait, il y a un indice toujours caché sur la page principale qu'on vous laisse le temps d'observer pendant qu'on dit n'importe quoi. Et là, Alors, bah, je pense. Vas-y.
J'avais envie de faire savoir, par exemple, tu montes les oiseaux, c'était quoi la personnalité, tu vois? T'as rappelé? Ah, tu veux jouer à ça, dans le dos comme ça, sans prévenir. Ouais. Non, c'est chaud, hein. Alors là, il y a les échecs. Donc c'était oh, Bobby putain. Fischer. Oh, Bobby Fischer, c'est Bobby ça. Fischer. Là, tu avais un pinceau. J'ai plus du tout les noms. Pinceau? C'est un pinceau là que tu as caché derrière. Ah oui, le pinceau. Est-ce que c'était Picasso? On a fait Picasso? Je pense pas qu'on Ah a non, fait c'était Picasso. peut-être Dali, peut-être. Vinci. Qu'on a fait Dali. On a fait Non, Dali. c'est Dali. Sinon, il y a Déborah Di Vinci. Ah, on avait Léonard de Vinci. Oui, on a fait Léonard de Vinci, ouais, c'est vrai. Ça, Et les c'est oiseaux, des c'est chi facile. les oiseaux, c'était Piaf. Le rat, j'en sais plus, je sais plus. C'était un danseur. C'était Patrick Ah. Dupont. Après, il y avait Le point qu'on a fait la semaine il y dernière. a 2 semaines, c'était Martin Luther King. Et après, bon, il y a eu un peu tout. Ça, c'était pour du cinéma au début. Voilà. Donc, 84. Bah, je crois que tu l'as déjà dit. Pour le livre 1984, tout à fait. Ton livre 1984. Alors, je voulais pas faire 1984 parce que c'était un peu facile. Journaliste, il était journaliste, essayiste, écrivain, mais journaliste aussi. Bon. Est-ce que. Inde, il est né en Inde, tout simplement. D'accord. Engagement. Engagement, ça c'était pour ses engagements. Voilà, il était très engagé, même au niveau un peu politique également, au niveau du Parti des travailleurs, etc. Donc, engagement, la langue. Alors, la langue, il y a quelque chose de très intéressant. La langue dans le livre 1984 parle de la novlangue. La néolangue, c'est la nouvelle langue que les pouvoirs actuels, dans sa fiction, essayent de mettre en place. Ils essayent en réalité d'appauvrir le vocabulaire des gens. Ils essayent en réalité de limiter les expressions, les mots, pour justement éviter que les gens contestent le pouvoir en place. Ils sont ou pour ou contre. Il n'y a pas de contestation possible, de peut-être, d'argumentation ou de développement d'idées, de choses comme ça. Et le but de la novlangue, c'est d'appauvrir la langue. Et c'est pour ça que Dictopia colle très très bien avec ce thème-là, puisque l'idée, c'est aussi d'enrichir son vocabulaire en jouant. Et du coup, il est intéressant de faire ce parallèle avec le livre de 1984, justement dénoncer ça. Simplement. Voilà la petite explication. Bah, livre. Livre, bah, c'est tout simplement parce qu'il a écrit des livres. Bah, Tony Blair. Et alors, expliquer du coup, c'est parce que son nom, c'est Éric Arthur Blair. Pensée. La pensée unique, alors ouais, justement, la pensée unique, tout ce qui était courant de pensée, etc. Ben ça, c'était. On est vraiment en plein dans George Orwell, en plein 1984. Les toupies, c'est un Donc, ils se indice? battent pour la dystopie. Il adorait la toupie. Non? Il adorait les toupies, absolument. Ah bah Exactement. dystopie parce que Alors, les gens, ils ont c'était... trouvé avec quoi comme indice? Est-ce qu'ils ont trouvé avec À 84 directement? partir d'où vous avez trouvé en fait? Ce qui vous a permis. Hein. Enfin, en tout cas, bravo pour ceux qui ont trouvé. Je sais pas si PayPay avait trouvé, mais en tout cas, il nous a fait des bols. Il a trouvé pas mal de trucs dans la soirée. Bien joué à lui. Exactement, ouais. Dès 84, il a trouvé des retards, bravo, hein. C'était un indice assez important, j'ai presque hésité à le mettre, tu vois. Ouais, mais peut-être c'est parce qu'elle suit ta page Facebook, donc résultat, elle connaît un peu l'histoire du jeu, tu vois. Donc résultat, ça Alors, lui a j'aurais dû parlé directement. lire le livre aussi. Voilà, peut-être lui le livre aussi. Eh oui. En tout cas, pour ceux qui ont trouvé, que j'espère qu'ils se sont régalés, qu'ils se sont amusés à résoudre ces petites énigmes. Et puis, donc, c'était aussi un petit peu pour annoncer le Dictopia allait sortir le 16 novembre en financement participatif.
Donc oui. Que voilà, c'est pour ça que je me suis fait un petit kiff de vous faire une soirée énigme sur George Orwell avec un peu d'arbres, avec un tout petit. Enfin, il y a une seule énigme de Dictopia. Donc, 84 monnaies orientées. Ok. La date du début du financement participatif, c'est. Le 16 novembre. Le 16 novembre. Donc, elle a lu La ferme des animaux vendeur. Donc oui, donc on reviendra dessus hein, naturellement hein, vu que c'est ton jeu, mais C'est un roman. Pardon, je t'écoute. si on veut ne pas rater le début, etc. Est-ce qu'il faut te suivre sur ta page Facebook, je suppose? Oui, ou alors directement sur le. Moi, ce que j'invite à faire, c'est de rejoindre directement la page Facebook Dictopia Communauté francophone. Comme ça, vous suivez l'actualité. Et surtout, je poste des énigmes très régulièrement, notamment l'énigme sur la dystopie. Dystopie. Je l'ai mis aujourd'hui, c'était au programme d'aujourd'hui, mais très souvent, je poste des petites énigmes autour de Dictopia. Voilà. Alors, je vais essayer de vous trouver le lien pour vous le mettre. Oui, tu tapes Subverti. Dictopia sur Facebook, tu le trouves très facilement. Je vais taper Facebook. Hop là. Vas-y, continue en attendant. Ok, donc je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah En tout mince. cas, vous allez. Le dernier festival, du coup, je pense avant la sortie, ça sera Albi. Je pense que j'en ferai pas d'autres. C'est même sûr. Donc, bah, ceux qui sont toulousains, vous pouvez venir. Enfin, les autres aussi d'ailleurs, hein. Ça fait un peu plus loin. Donc j'espère voir PayPay, si tu viens samedi, ça sera avec plaisir de te voir. On va jouer à Dictopia, et peut-être que j'amènerai un ou deux autres prototypes à moi. J'ai amené Yoxi aussi à Colombie. Je vais Ce pas sera cool pouvoir. l'été. Je vais pas pouvoir parce que j'ai plus mon mot de passe Facebook sur l'ordi. Ah, la Ok, belle eh bien écoute, Rosalouse. Oh là là là. Alors là, c'est la combien d'euros? On les compte Il plus, tu est sais. incroyable. Bonne Incroyable. soirée, Le sien. Cécile et Evelyne. Merci d'avoir participé. C'est toujours un Merci. plaisir. Mais écoute, j'envoie le lien. Je t'envoie directement le lien. Hop. Ça c'est fait. Et puis. Et comme ça, je pourrais le mettre dans le replay, peut-être, je ne sais pas. Hop là. T'as le lien. Alors, hop là, que je vais remettre directement dans le chat. Hop là. Donc, je vous invite à follow la page pour avoir plus de ne pas rater le financement qui devrait arriver. Sinon, vous pouvez nous suivre, toi, je dis oui, sur Facebook, sur je dis oui, ou sur Tout à Instagram, fait. sur je dis oui. Si vous aimez les échecs, tu as aussi un Discord sur lequel tu fais un peu d'échecs quand tu as le temps. Ouais, exactement, c'est vrai. Tu as aussi ton livre qui est disponible à la vente, si vous Ouais, aimez le dans les système d'arbres. librairies et puis sur les plateformes comme Facebook, sur les plateformes comme Amazon, comme la Fnac ou la Cultura. Voilà, mais vous pouvez le commander en librairie. Alors, s'ils ne l'ont pas, ils le commandent et vous le recevez. Voilà. Donc voilà. Voilà. Moi, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur Rosalium Game. Vous pouvez aussi, si vous voulez rien rater des animations qu'on peut proposer avec les meeples francophones, rejoindre le Discord qu'on voit un peu plus par là en bas. Les meeples francophones, qui est un Discord communautaire autour du jeu de société. Et où on propose des animations telles que des tournois ou des soirées comme ce soir. Donc je vous invite à nous rejoindre pour ne pas rater, à savoir que on aura sûrement un prochain. Alors le prochain tournoi, c'est début novembre, le 8, c'est un tournoi sur Chakra en ligne sur BGA. On a sûrement un deuxième novembre qui va être sur Diceforge, un deuxième tournoi qualificatif pour le championnat de France. Donc je vous invite à venir nombreux et comme ça je verrai pour peut-être streamer les avancées des différents challengers des Meeple pendant le tournoi, pendant le championnat par la suite, si j'arrive à être disponible.
Donc, merci à tous de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous, à bientôt. Bye bye. Au revoir.